STM32 dedans. Tu parles, ah oui, des remakes, des. Ça m'énerve, c'est péjoratif. Hop là, bon, et eh ben bonjour. Alors je vais juste muter sur la partie Twitch pour pas m'entendre deux fois. Bonjour à tous ceux qui sont là. J'espère que vous m'entendez correctement parce que j'ai encore des problèmes pour mes setups. Ouais, c'est mon décor de Noël. J'avais envie d'avoir un vrai sapin. Aujourd'hui, le talk est pas technique, pas trop. C'était juste quelque chose que j'avais envie de faire. Au début, je voulais l'écrire. En fait, j'ai la flemme. C'est toujours le GDG Lyon. Non, là, c'est juste moi. Ouais, j'avais la flemme en fait de l'écrire. Donc, du coup, je vais en parler. C'est plus facile et ça me fait un bon entraînement pour Switch. Donc aujourd'hui, en fait, je vais parler du fait que maintenant je me mets à bloguer en utilisant des issues GitLab. Alors, ça aurait pu être des issues GitHub ou des issues ou autre chose. J'avais essayé justement il y a quelques années, ça n'avait pas bien marché. Peut-être pas assez de discipline, et puis ça intéressait peut-être pas les gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fin octobre, j'ai fait la mise à jour de mon blog qui était sous WordPress et j'ai perdu toutes les mises en forme que j'avais faites. Parce que c'est ce que j'avais fait était plus compatible avec les nouvelles versions. J'ai essayé de récupérer le coup. Ça n'a pas marché. J'ai essayé d'autres générateurs de sites statiques. Pas vraiment eu ce dont j'avais besoin. Et puis en plus, j'étais à la bourre pour écrire ce que je voulais écrire. Du coup, j'ai décidé que j'allais utiliser des. Je laisse mon blog en ligne, mais je ne le mets plus à jour et je vais utiliser des issues pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Il se trouve que j'ai fait ça, j'ai commencé le 1er novembre, et il se trouve qu'en fait, je me suis aperçu que j'écrivais beaucoup plus. Alors, des fois peut-être plus court, mais en tout cas plus souvent sur différents sujets. Donc je vais vous partager mon écran pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble et vous expliquer comment j'essaye de travailler quand je veux écrire quelque chose. On va dire mon process d'écriture. Alors, je suis loin d'être un grand, grand écrivain, mais on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, il faut que je partage mon écran. Hop. Voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'il me partage trop de choses. Donc, c'est pas ça. Primary Display. Hop, comme ça vous avez pu voir mon début de script. Ce matin, j'essayais comment dire, de préparer un peu ce que j'allais dire, et puis après, j'ai été récupéré par le boulot, du coup, j'ai pas pu. Alors, je vais me dépasser un petit peu. Donc, en fait, là, ce que vous voyez, c'est la liste de mes issues. Alors, vous voyez aussi celles qui sont confidentielles, puisque je me suis logué. Mais sinon, quand vous arrivez sur mon blog, enfin, sur ma liste de issues, vous ne voyez que celles qui ne sont pas confidentielles. Je me suis fait une petite home page aussi, je vais juste vous la montrer pour avoir un point d'entrée. Donc j'ai utilisé ce dont je parlais hier, en fait, je me suis fait une GitLab Pages, comment on dit, statique. Donc en fait, j'utilise l'API GitLab et GitLab CI pour lister toutes les issues non publiques et pouvoir y accéder facilement. Mais sinon, vous pouvez aller directement sur la liste des issues. Voilà, hop.
Ça rame un petit peu parce que j'ai deux écrans, enfin un deuxième écran connecté et ça souffle. Donc, à quoi ressemble une issue? Alors, je vais vous en montrer une que j'ai écrite. Simple. Alors, j'ai pas mis, si, j'ai mis des images dessus, voilà. Donc, j'essaye de faire quelque chose de. Je mets toujours une image, alors qui n'est pas toujours en rapport, hein, mais. C'est un peu la mode, on voit ça sur Medium. J'écris soit en anglais, soit en français, ça dépend. Vous voyez que ici, j'affecte sur la droite, j'affecte des labels pour pouvoir retrouver facilement les issues, les classifier. Et j'écris ce sur quoi ça m'intéresse. Alors après, je vais vous montrer différentes petites choses pour vous montrer le process. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre à la fois des images facilement. Et aussi, alors je ne sais pas si je l'avais fait dans celle-là, enfin, du code source. Bon, alors là, il n'est pas coloré parce que c'est du shell, mais on verra d'autres images. Un petit truc sympa aussi, c'est que vous pouvez, enfin en tout cas, je peux rajouter ce qu'on appelle des linked issues. Donc, si j'ai des issues qui sont sur le même sujet, je les mets ici, comme ça permet de naviguer super facilement. Sur des sujets connectés. Si vous avez envie d'un mode, on va dire, plus facile à la lecture, vous pouvez vous mettre comme ça, en mettant les barres de menu, en les cachant. Vous êtes presque dans Medium. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus facile de saisir du code source coloré. Alors c'est vrai que ce type de blog s'adresse normalement plutôt à des utilisateurs techniques. C'est du Markdown, hein. On va aller voir comment ça marche. Mais finalement, je m'aperçois que je commence à tweeter des fois sur des sujets qui ne sont pas techniques. Éventuellement même sur, je crois que c'était un des premiers ou deuxièmes, des sujets qui sont liés à, on va le retrouver, à la cuisine. C'était dans le Salut tout le monde. C'était où? Voilà, Topping for Vegetables. Alors, je l'ai dit, le titre en anglais, mais celle-là était en français. J'essaye quand même de faire quelques articles en anglais, histoire de m'entraîner et de ne pas perdre la main. L'autre avantage d'utiliser les issues, vous le voyez ici, c'est que les gens peuvent rajouter des commentaires. Vous pouvez même mettre des petits plus si vous êtes content ou d'autres émojis. Les gens peuvent rajouter des commentaires. Et pour les commentaires, avec la petite bulle ici, je peux faire un reply directement sur ce commentaire. En fait, avoir un thread par commentaire. Et puis, vous voyez, 2 semaines après, rajouter des informations sur le blog post. Donc, c'est plus tout à fait un blog post, ça peut aller plus loin. Le petit truc sympa, c'est que vous voyez les gens qui participent. Vous voyez toujours les labels. Tout à l'heure, je vous parlais d'issues confidentielles et non confidentielles. C'est en fait, je prépare à minima les titres ou les sujets dont je veux parler et je les mets en confidentiel, comme ça les gens ne les voient pas. Et puis moi, ça me permet d'avoir une to-do list. Et c'est là où je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour quand je veux écrire quelque chose ou quand je me prépare à écrire quelque chose. Je suis toujours. Ah, je changeais le titre sur mon. Ouais, bon, ben, c'est pas grave. Ouais, je me suis gouré de chaîne. Alors, attendez, c'est pas dur. Hop. Voilà, je suis plus sur l'apéro IoT. Par contre, il faut que je repartage mon écran. Et voilà, c'est fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc je comprends mieux la remarque tout à l'heure au départ. Donc, du coup, imaginons que je veux aller écrire quelque chose, une nouvelle, on va y arriver, un nouvel article. Ouais, c'est Jabberwock qui m'avait fait la remarque. Je veux créer une nouvelle issue. Par exemple, j'ai vu des tweets ce matin qui traitaient du fait que des organismes de formation ou des écoles vendent du rêve aux gens et qu'après ils ont du mal à trouver du boulot. Ce qui n'est pas faux. Mais après, j'aurais plein de choses à dire. Et donc, je pense que je vais peut-être écrire un article sur
vu mon âge avancé, sur les conseils que je donnerais à des petits nouveaux qui commencent. Quand je dis petits nouveaux, ça ne veut pas dire jeunes, hein, ça peut être des gens qui changent de métier parce qu'ils veulent tout recommencer. Donc imaginons que je veux faire ça, je vais créer une nouvelle issue. Non, ce qui me fait penser aussi qu'il y a un petit truc sympa avant que je la crée. Vous voyez ici, alors déjà, vous pouvez faire des recherches, ce qui est bien, mais vous pouvez vous abonner, il y a un flux RSS qui génère automatiquement, j'ai rien à faire, ça existe, donc ça c'est plutôt sympa. Donc, je recommence, nouvelle issue, je lui donne un titre, donc conseil 1-1 junior. Bon, après, je pourrais toujours changer le titre, hein, c'est pas très grave. Ensuite, je vais choisir, j'ai des templates tout prêts. J'ai un template que j'appelle task. C'est juste si j'ai des choses à faire, plus pour la maintenance, on va dire, de mon blog. Et j'ai des templates si je veux écrire un post en français ou un post en anglais. Ou je peux partir de zéro, mais bon, peu importe. On va choisir le template FR Post. Donc en fait, c'est comme je n'ai pas de mémoire, c'est juste pour penser à faire tout ce que je dois faire si je vais écrire un post. Alors là, je ne vais pas l'écrire en entier, mais je vais le préparer. Par exemple, je veux mettre une jolie image. Donc, je vais en choisir une. J'aime bien celle-là. On peut faire du drag and drop. C'est le petit truc qui est sympa. Donc, ça enregistre dans GitLab l'image. Vous avez une preview. Donc, vous pouvez voir au fur et à mesure tout ce que vous tapez. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Merci Thierry. Enfin, j'imagine que c'est pour la photo. Là, des fois, j'écris une petite introduction, donc je le ferai plus tard. Là, ça va être pour mon premier chapitre. C'est du Markdown, donc c'est plutôt facile à écrire. Moi, des fois, je mets des remarques en attendant pour penser à parler de quelque chose du style junior. C'est pas forcément jeune. Il y a des gens qui sont juniors dans un nouveau métier. Là, le YouTube link, c'est par exemple si c'est pour me rappeler de quelle manière je peux insérer une image d'une vidéo YouTube que j'ai publiée. Donc je me le garde. Celui-là, j'en aurais pas besoin parce que ça va être totalement écrit. Là, j'ai un petit commentaire que je mets à chaque fois en bas d'issue. Alors, je me mettais ne pas oublier d'ajouter des labels à l'issue, de mettre des related issues s'il y en a besoin. Alors, les labels, maintenant, plutôt que de les oublier, je me suis créé ce qu'on appelle des quick actions dans GitLab. Donc, c'est slash label et d'office, je lui dis bah, tu affectes le label to do et le label French. Tu m'assignes l'issue. Bon, voilà, de toute façon, il n'y a que moi qui ai accès en édition, donc peu importe. Quoique, je me demande si les gens peuvent pas créer des issues. Je sais plus. Normalement, il n'y a que moi. Je la mets directement en confidentiel. Comme ça, personne verra ce que j'ai en cours. Et je mets aussi, je l'affecte à une milestone. Donc, les milestones, c'est des étapes dans le temps qui me servent à préparer, on va voir plus tard. Ce que je vais écrire. Donc, ma milestone waiting, c'est une sorte de backlog. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de saisir ici la milestone, de saisir qui est assigné ou les labels. Ça va le faire automatiquement. Donc, je pense que pour l'instant, je suis bon pour ce que je voulais préparer. Donc, je la soumets. De toute façon, elle n'apparaîtra pas sur ma home page et les gens qui vont se connecter ne verront pas. L'issue, puisque pour l'instant, vous le voyez ici, elle est confidentielle. Vous pouvez loquer les issues aussi si les gens un peu se déchaînent sur les commentaires, par exemple. Vous pouvez décider que ben, c'est plus possible et vous loquer l'issue, ça peut être plutôt sympa. Vous voyez qu'il m'a affecté directement les labels automatiquement, donc ça c'est super pratique. Les milestones, il m'a affecté la milestone waiting. Donc déjà, c'est prêt. C'est pré-rempli et en tout cas j'ai mes labels de base. Ensuite, si je veux voir ce que j'ai à faire ou ce que j'ai fait, tout dépend de quel point de vue on se place. Alors je vais vous montrer d'abord. Vous pouvez vous créer, là quand vous êtes sur GitLab.com, vous pouvez vous créer plusieurs boards dans un projet. Donc ça c'est pratique. Donc j'ai une vision un petit peu par type d'article
que j'écris. J'avoue que je m'en sers pas forcément beaucoup, mais ça peut intéresser les gens qui se connectent. Là, ce que j'ai appelé Toys, à mon avis, deviendra IoT bientôt, ou alors il y aura une nouvelle rubrique. Bon, c'est une façon de voir différemment, et puis après, on peut directement aller se connecter, enfin, lire le sujet qui vous intéresse. Mais je reviens au milestone d'abord, avant de retourner au board. Je me suis créé ma milestone waiting. Donc si je clique dedans, vous voyez tout ce que j'ai prévu d'écrire, enfin, mais que je n'ai pas encore positionné dans le temps. Si je retourne sur la liste des milestones, vous voyez que ça vous affiche le nombre d'issues, alors moi le nombre d'articles que j'ai en cours. Donc ça, c'est ma milestone en cours. Donc normalement, j'ai prévu d'écrire trois choses. Je ne sais pas si j'y arriverai. Et à chaque fois que vous... Alors moi, normal, si vous voulez avoir un pourcentage de complétion, il faut fermer les issues. Dans mon cas, je ne l'aurai pas parce que si je ferme les issues, on ne peut pas les lire. Mais au moins, ça me permet de positionner dans le temps et surtout d'avoir un board pour préparer. Une fois que j'ai créé à l'avance toutes mes issues, je vais dans mon board roadmap, sur lequel j'ai décidé de ne pas afficher les open et les closed. Mais par contre, vous pouvez afficher comme colonne, en fait, ou des labels, ou ceux qui sont assignés. Bon, alors ça a peu d'intérêt dans mon cas, parce que je suis tout seul à écrire, ou des milestones. Et en fait, le fait de le faire par milestone, c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai mon backlog. Qu'est-ce que j'ai décidé d'écrire conseil ingénieur, eh ben, je pense qu'aux alentours du 14 décembre, je devrais arriver à m'en sortir pour l'écrire. Bon, après, je peux déplacer, de toute façon, j'ai pas d'obligation. Donc voilà, je prépare ça comme ça. Je suis peut-être un peu ambitieux. Après, vous pouvez rajouter des milestones comme vous le souhaitez. Mais moi, ça me permet un petit peu d'avoir des idées en tête. Et. Bon, alors après, j'ai tendance à rajouter trop d'idées, mais on ne sait jamais. Alors, c'était à peu près tout. Je relis mes notes quand même pour voir si j'ai pas autre chose dont je voulais vous parler. Mon process d'écriture, hein, je vous l'ai montré. Donc, les boards. Je vous ai créé une issue de quelque chose que je vais faire bientôt. Moi, au final, donc je vais retourner sur ma liste d'issues. Hop. Au final, ce que j'y ai gagné, c'est une facilité d'écriture, parce qu'on voit que du 1er novembre au 28 novembre, j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 postes, plus ou moins longs. Mais du coup, dès que j'ai envie d'écrire un truc, ça va beaucoup plus vite. Et puis le fait d'avoir les templates, ça aide. Alors les templates, en fait, il suffit de créer dans votre repository un point GitLab slash issue template et vous faites en Markdown vos templates. Ça ressemble à ça. Hein. C'est tout con, mais ça vous fait gagner un temps fou. Déjà sur le principe d'écriture. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir faire du drag and drop d'images. C'est super pratique. Pour faire le code coloré, bah, c'est en Markdown, hein, donc ce que vous faites, c'est vous mettez. Attendez, je vais l'ouvrir en modification. C'est trois backtits et le langage de. Suivi du langage que vous utilisez. Donc, moi, c'est trois backtits YAML, parce que je fais beaucoup de YAML, et vous fermez votre code source par trois backtits. Et après, c'est tranquille. Ce que j'aime bien faire aussi, des fois, c'est quand j'ai une suite à un article ou que j'ai fait des modifs, je vais plutôt aller le rajouter. Je ne sais pas si j'avais un essai sur celui-là. Voilà, je vais plutôt le rajouter dans les commentaires. Je préfère, comme ça, il y a un suivi. C'est super pratique. Puis je pense que c'est plus facile aussi pour faire des discussions. Qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa aussi dans l'écriture?
Bon, alors les flux RSS, alors c'est un truc auquel je ne pensais pas forcément, ou alors je génère des flux JSON, et à chaque fois on me dit, mais pourquoi tu n'as pas de flux RSS? Bah maintenant, ça y est, je n'ai pas eu besoin de le faire, c'est fourni directement. Les labels automatiques dans les templates, là, c'est ce que j'appelle les quick action, super pratique aussi. Les votes par emoji, j'aime bien, alors après, les gens ne sont pas forcément habitués, donc ils ne vont pas forcément penser à voter. Mais quand de temps en temps, vous voyez que quelqu'un a mis un plus un là-dessus, bah, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes lu. Je vais retourner une dernière fois sur le repo du projet. Hop, on va aller dans le WebID. Et après, je vous laisse retourner bosser. Bah, vous voyez, j'ai déjà un reminder. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... ouais, les emojis, il n'y a que ça de vrai. Je suis tout à fait d'accord, Julien. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai une page index HTML qui. Alors, j'ai fait ça avec du lit element, donc je ne suis pas sûr que. Parce que j'ai mis quand même un polyfill. Donc, ça marche peut-être avec Firefox, normalement. Alors, à quel moment je charge mes composants, ma liste? Issue list, ça doit être ici. J'ai déjà oublié comment je l'ai codé. Main application. Une fois que ça marche, voilà, oui, je fais en fait, j'utilise l'API GitLab et je fais appel à l'API project slash, à l'ID du project. Slash issue. Et comme ça, je récupère la liste des issues et en JS, je le retraite. Alors peut-être que quand il y en aura 2000, ça risque d'être long, il faut que je trouve un autre système. On pourrait imaginer qu'avec la CI, je génère en avance le flux des issues. Mais ouais, lis les commentaires pour t'y retrouver. Ouais, mais je crois qu'il faut que je change de lunettes en fait. Ça devient important là et elles sont plus suffisantes. Là, en l'occurrence, le script de CI de publication, je l'ai utilisé qu'une fois pour publier mon application. Après, ça se fait de manière dynamique quand je rajoute des issues. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui génère à l'avance, on va dire, la liste des issues. Mais dans ma to-do list, par contre, j'ai prévu de refaire cette partie-là, la partie front, en rajoutant d'autres petits trucs et puis changer peut-être comment dire, de librairie CSS. J'ai joué avec Bulma CSS ce week-end et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je pense que je vais prendre un petit peu le temps de réécrire ma page front parce que de toute façon ça ne gêne pas à la lecture parce que vous pouvez aller les lire directement. Enfin, pour les lire, il n'y a pas d'autre moyen. Les lire directement dans GitLab. Donc j'ai pas à me préoccuper de la façon dont c'est maintenu, du style, parce que j'ai pas à m'occuper du style. J'ai juste à m'occuper du. Ouais, Bulma, c'est super cool. J'ai juste à m'occuper du contenu, en fait. Et je m'aperçois que grâce à ça, je vais plus vite. Je suis même plus clair. Parce que quand on peut glisser juste par drag and drop une photo et pas se prendre la tête à essayer d'aller incorporer un gist comme dans Medium pour avoir du code en couleur, et ben on gagne du temps. Et finalement, je pense qu'on dit plus facilement ce qu'on voulait dire. Parce que on est plus. Tranquille, on ne se préoccupe pas de la façon dont on fait la mise en forme. Et du coup, bon, j'ai l'impression que je batte le moins mes articles. Après, j'essaie de les faire un peu plus courts. Et quand vraiment j'ai une grosse flemme, comme aujourd'hui, je les fais en vidéo. Alors, ce que je n'aurais pas fait il y a quelques années, mais maintenant je trouve ça amusant. Donc voilà, c'était le pourquoi j'utilise les issues maintenant pour faire mon blog. Comment je le fais. Après, je pense que c'est peut-être perfectible, mais enfin, il ne faut pas devenir non plus un malade des process. Je ne suis pas mon process de A à Z, mais en tout cas, le fait d'avoir mes milestones et mes boards me permettent de me dire, tiens, j'ai cette idée-là, il faut que je pense à en parler, ça serait bien que j'écrive quelque chose. Et puis peut-être que je l'écrirai dans 3 mois ou demain, tout dépend de mon humeur. Et puis le reste du temps, bah, quand je vais acheter le pain, j'essaye de prendre des photos dans la rue. Et pour l'instant, toutes les photos que je mets viennent de moi, donc je ne viole aucun copyright.
Et j'ai fini pour cette petite présentation. La prochaine sera probablement plus technique. Je pense faire quelque chose autour de la Maven Registry intégrée dans GitLab. Mais pour l'instant, je joue avec pour être sûr. Et puis après, je vous montre comment ça marche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez des questions, en général, vous savez me trouver. Donc, n'hésitez pas. Ou sur Twitter, ou vous pouvez ajouter des commentaires. Est-ce que Julien qui me demande si je ne veux pas bloguer en latex, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tu vois, j'en perds la parole. Mais vous pouvez venir me poser des questions là-dessus. Il faudrait presque même que j'ouvre une issue un peu sur laquelle on puisse mettre des commentaires, un truc générique. Mais voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous voir, entre guillemets. Certains d'entre vous que je connais déjà, j'espère de pouvoir vous voir bientôt en vrai, autour d'un verre ou d'une bonne bouffe. Sinon, bonne journée à tous et à très bientôt.